Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, on attaque maintenant des maths avec différents types de matériel, c'est-à-dire matériel divers, varié, plus varié que ce que nous avons vu jusqu'ici. Et la participation active d'un grand nombre de pièces rend possible de nombreux tableaux de maths et de combinaisons. Un élément important de la plupart de ces combinaisons de maths est la meilleure collaboration possible entre les différentes pièces de l'attaquant. Alors, dans la combinaison célèbre de la partie connue en Allemagne sous l'appellation le cadet de la marine, le mat est obtenu par une brillante collaboration des trois pièces légères. C'est un exemple en fait que nous avions vu beaucoup plus tôt. Et nous allons voir maintenant quelques exemples de collaboration entre tour et deux pièces légères. Donc, ici, une partie de Vitasek contre Duras qui s'est jouée à Prague en 1900. Le trait est au noir. Et Duras annonça un mat en trois coups. Dame E3, échec. Fou D2. Dame prend D2, échec. Un très bon coup. Tour prend D2. Tour F1, échec. Tour D1. Cavalier B3, échec. C prend B3. Et fou prend B2. Échec et mat. Très très beau mat. Position de mat trouvée par Duras qui n'était pas facile. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.